Ce moment est si particulier. Il ne s'agit pas simplement du couple Bouébou. Mais pendant ce temps, Dieu va renouveler. Il va renouveler, bien-aimés, l'alliance, l'amour dans tous les couples qui sont. Même ceux qui sentaient que non, ça commençait à fatiguer, ça commençait à... Non. Le Seigneur, pendant ce temps, certainement, si tu le crois, il va renouveler pas mal de choses. La confiance, la complicité surtout. Dans tout le couple. Dans la réalité, bien-aimé, ceci n'est que le signe extérieur, mais l'engagement est à l'intérieur. L'engagement, c'est à l'intérieur. Une alliance faite par l'intelligence humaine. Mais nous voulons prier Dieu. Que le Dieu de grâce puisse bénir ces alliances. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Mmh. Ta parole dit que nul ne sait pas ce que tu as uni, Père. Mmh. Depuis 20 ans, tu as permis que ce couple soit uni. Et tu as permis que ce couple puisse résister à tout ce qui a pu être tempête, attaque. Et nous te rendons toute la gloire pour cela, Seigneur. Nous voulons te recommander ces alliances qui sont un signe de solidité. Un signe d'union, d'amour, Seigneur. Nous voulons que ta grâce soit sur ces alliances, dans le nom puissant de Jésus. Et que ces alliances soient le sceau de ta main, le sceau de ta grâce dans la vie de ce couple, Seigneur. Nous savons que tout ce que tu commences, tu l'achèves, Seigneur. Et nous croyons qu'ils sont à mi-parcours du plan que tu as pour leur foyer, pour leur couple, Seigneur. Nous croyons qu'ils ont encore de longues années à vivre ensemble, dans ta parole, dans ta grâce, dans ton élévation, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous voulons que ta main, que ta présence soit sur ces alliances. Nous les bénissons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tout ce que je peux dire, vraiment sincèrement, la Bible dit que si les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Continuons à être sur le fondement qui est Jésus-Christ. Il est le seul, only one, le seul. Si vous vous soumettez à lui, nous viendrons fêter encore, non seulement d'argent, mais d'or aussi, que Jésus-Christ soit le fondement. Voilà, les 10 anneaux qui symbolisent notre union. Les 10 anneaux qui symbolisent que même dans les combats, dans la souffrance, je ne te lâcherai jamais. Et Dieu sera toujours avec nous et nous aidera dans les combats. Et la seule chose que je vais dire pour les 10 anneaux, ma chérie, je t'aime. Je te mets cette alliance pour unir encore notre combat, notre avenir. Comment que Dieu nous bénisse. Amen. Mon bébé. J'ai accepté de renouveler cette alliance parce que tu m'as supporté. Tu ne connaissais pas la Bible, mais quels que soient les hommes m'ont abandonné, mais toi, tu étais là. Même lorsque tu ne comprenais rien, mais tu étais là. Même lorsque je pleurais, tu étais là. C'est pourquoi cette alliance, même la mort ne peut pas nous séparer. Amen.
Le plus beau cadeau, c'est pas cette alliance. Le plus beau cadeau que tu m'as donné, tu m'as accepté avec mon Dieu. Et tu es rentré dans la vision. Donc c'est pour cela, je te remets cette alliance encore pour te dire que même la mort, parce que nous serons tous les deux au paradis. Amen. Amen. Je t'aime. Voilà. Je t'aime. Renouveler cette alliance devant toi. Seigneur, s'il te plaît, chaque pas qu'ils marqueront, chaque pas, oh Dieu, qu'ils marqueront, soit des pas de victoire, de différence et de gloire. J'appelle, oh Dieu, la pluie de l'arrière-saison, oh Dieu, celle qui est beaucoup plus grande et glorieuse, celle qui ramène différence et gloire, celle qui ramène encore beaucoup plus de fruits qu'avant, oh Dieu. Je prie que dans le ministère, ça change, qu'un nouvel impact, oh Dieu, se dessine dans ce qu'ils font pour toi. Père, viens encore une fois manifester ta gloire dans ce couple. Ils ont choisi de t'honorer. La Bible dit, tu honores ceux-là qui t'honorent. La Bible dit, Seigneur, tu prends part à leur combat. Je sais que tu es là et tu marches avec eux. Dans le nom de Jésus, par le pouvoir qui me sont conférés par, je déclare encore une fois, mari et femme, au nom de Jésus. Je le déclare encore une fois, épouse et époux dans le nom de Jésus. Agrée-le et étends ta main. Agrée-le que l'eau ne manque pas et que le pain ne manque pas. Alors que le roi en marche vers une conquête dans le désert, se sont rendus compte qu'il y avait plus d'eau. Père, je sais que par ta présence glorieuse, l'eau ne manquera pas. Parce que tu es le Dieu de gloire et de puissance. Comme un accord avec tous ses serviteurs, nous te disons merci. Nous te disons encore, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Dans les noms de Jésus. Nous disons Amen. Tu es la chair de ma chair, la fleur de mon cœur. Je t'aime, chérie. Os de mes os, tu es la chair de ma chair.